C'est une nouvelle année qui commence et des projets qui continuent. Ma volonté d'intégrer toujours plus de monde dans la vie de la cité des 1er et 7e arrondissements et de faire se rencontrer les gens, particulièrement nos aînés, est toujours aussi prégnante. Nos rencontres, je l'espère, pourront continuer sans être altérées par cette épidémie. D'autres perspectives innovantes, en accord avec le programme du printemps marseillais, vont voir le jour cette année 2022. La réforme des critères d'attribution de places en crèche, sur laquelle les adjoints à la petite enfance ont travaillé durant l'année 2020-2021. Cette réforme permettra plus d'équité, de praticité et d'aide pour les familles marseillaises, avec entre autres l'introduction de critères sociaux. C'est avec une grande joie que je vais continuer la route de 2022 avec vous. Et pour l'heure, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé et une belle année.